Et c'est tout, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Grand Prix des États-Unis 2006 sur le jeu Formula One Championship. On va du coup lancer la séance de qualification. Et après, on va tourner un peu en boucle en essai. Ça s'est pas spécialement bien passé, comme vous en doutez. Mais aujourd'hui, nous devrions assister à des qualifications fascinantes. La première des séances. Alors, on va voir si les statistiques, si ça a bougé ou pas. Je vais baisser la pression parce que j'ai l'impression que j'en ai jamais assez, j'en ai trop. On va laisser ça. On va faire OK. Tenue de route, on va laisser comme ça. Ah, il me, par défaut, il met 25, 25, 14, 14. Hauteur de caisse. Ouais. C'est pas exagéré quand même. On va mettre un petit. 27, 31. Vitesse, on va laisser en fin retour. Allez, c'est parti, quittez le garage. C'est Thiago Monteiro qui rejoint le premier à la piste. Et c'est parti. J'ai copieusement loupé d'ailleurs le premier virage. Donc c'est un circuit qui n'est pas spécialement compliqué en soi, c'est juste que comme une énorme ligne droite, il faut pas beaucoup d'ailerons, et quand il faut pas beaucoup d'ailerons, ben les virages c'est compliqué. Et puis l'IA est toujours aussi horrible. Concrètement, à chaque fois que je freine un peu trop, eh ben, elle me rentre dedans. Donc attendez-vous à encore une course très très courte, voilà. I like it. Alors j'ai du coup privilégié plus d'ailerons, moins d'ailerons pardon, que de virages, puisque de toute façon peu importe les ailerons que j'ai, je me fais rouler dessus par les autres voitures. Donc je me dis au moins, bah, si j'ai une bonne thèse de pointe, ils n'arriveront pas à me doubler, enfin moins. Donc on va voir ce que ça donne. Normalement, je vais jusqu'à 305, 306 à peu près en bout d'une droite, ce qui est pas énorme. Bon, de toute façon, on a plusieurs essais. Je vais te faire un bon premier tour chrono déjà. Ah bon, un tour chrono, on va dire correct par rapport à la voiture, parce que bon, on peut oublier. Voilà, je peux légèrement sortir large, ça pose pas de problème par rapport au jeu. Donc on va en profiter un peu. J'espère que le jeu va pas trop laguer parce que j'ai l'impression que ce circuit est assez compliqué. Je sais pas pourquoi. Allez, la ligne droite. Donc mon record, je crois que c'est une 12-400. Il va falloir faire mieux que ça si on veut au moins réussir à faire 20e ou... Donc il y a une 12-7, c'est moyen. Ah, je finis juste derrière la Renault, c'est génial. Du coup, on peut être sûr qu'on va s'en sortir rapidement. Bon, moi, on va nous passer, ça sera fait. Tout ça pour qu'on le redépasse derrière pour rien, c'est magnifique. À 630 de retard. Il doit être déçu. Il va se rentrer dans 3, 2, 1, incoming. Non, même pas. Pour une fois qu'on ne rentre pas dedans. Alors si je suis malin, je le laisse passer. Vas-y ma poule, passe. Voilà, c'est bon, on va se mettre derrière pour avoir un peu d'aspiration. Oh mon dieu, il va me faire chier jusqu'au bout, Alonso. Voilà, pour me redépasser derrière, c'est génial, j'adore. Christian Albert se réalise un nouveau temps.
Et voilà, bah, finalement pour rien. Et on sort largement, on s'en fout, le jeu prend pas en compte. Ça, il va rentrer dedans maintenant, alors on a pas trop l'intérêt. Je suis en retard, je pense. Bon, je vais quand même finir le tour. Ah mais j'ai plus d'essence, ça sert à rien. Allez, revenir au garage. Bon, une 12-7, il faudrait faire beaucoup mieux, hein. Faudrait faire une 12-2. Donc on va faire quitter le garage, il reste 7 minutes. J'espère que je vais pas me faire gêner pour la dernière tentative. Comme ça a été le cas, bah voilà, merci, génial. Pile au moment où je dis ça, une voiture devant moi. Donc, enfin en gros, il faut que je fasse... ouais, je pense que je vais pas être qualifié parce qu'ils vont me battre à la fin, mais... Faut que je fasse quelques dizaines de murs pour peut-être me donner une chance. Allez la Honda, merci de me laisser passer s'il te plaît. Je sais que je suis plus rapide que toi par contre, au minimum. Je vois la vitesse avec laquelle il m'ennuie chaque virage, je me dis, il faut que je le laisse passer. Allez vas-y, passe, tu m'ennuies, passe, dépêche-toi, vite. Voilà. Allez c'est bien, va-t'en. Voilà, j'ai déjà perdu la vitesse, pont autour, c'est pas grave. Et en plus il va, ah non c'est bon, je vais rentrer au stand. Je vois toujours derrière parce que je veux savoir où ils sont. Hein. Oh là là. Je suis arrivé tellement vite. Par rapport à lui en tout cas. J'en ai raté mon freinage. Allez, 0,5 de plus lent déjà. Oh, je suis en avance. Si en plus je peux avoir l'aspiration. Takuma Sato achève son tour complet. Un résultat assez médiocre. La voiture ne semble pas au mieux de sa forme. Ah bah là avec l'aspiration. Christian Albert serait une 12-5. Il a fait ce qu'il fallait ici. Allez, il me fallait que ça se passe mal avec la Honda, mais ça on s'en doutait. On va quand même voir si je peux faire mieux là. David Coulthard achève son tour complet. Il devrait en être content. Je suis en retard sur mon pro partiel ou j'étais déjà en retard. À quel point je suis à la rue. Et devant ça se gêne, c'est magnifique. On adore ça. Il ne doit pas être content, sa voiture n'a pas
Je suis en avance, deuxième secteur. C'est n'importe quoi. Et là, 17ème, c'est bon. Weber m'a pourri. Une 12-3. Ah, il me reste une tentative. Christian Albers réalise un nouveau temps. Il a fait ce qu'il fallait ici. Alors, on va essayer de faire un bon premier secteur. Jacques Villeneuve termine un tour complet. Christian Klein obtient un chrono. J'ai raté la courbe. Bon, laisse tomber. C'est mort, simplement parce que là, je vais pas avoir la vitesse de pointe de tout à l'heure. Il sera furieux de ce chrono. Sa voiture n'est pas à la hauteur pour l'instant. En vrai, on n'aura pas fini trop loin hein, de la 16ème place. Ouais, je veux pas. De retour, c'est mort. Allez, revenir au garage, c'est fini du coup. Il a fait ce que l'on attendait de lui, vraiment. Et on échoue. On est devant Albers déjà. Donc, ça, c'est une bonne. On est devant Speed, pardon. Ce qui est déjà une bonne nouvelle. Bon, 17ème, hein, c'est vraiment. Oh, Button, une 21-2. Ah, il a dû être gêné pendant tous ses tours, hein, je vois que ça. Bon, en tout cas, on finit meilleur des autres, on va dire. On va passer à la Q2, on va faire quitter la séance rapidement. Bon, alors on verra la séance à la fin. Les jeux sont faits. Ouais, les jeux sont faits, c'est bien. Tac, tac. Allez, on va lancer la course. J'espère qu'il va faire beau. La chance de nous rejoindre en direct de l'Indianapolis Motor Speedway qui accueille le Grand Prix des États-Unis. L'Indianapolis Motor Speedway est le circuit le plus célèbre des États-Unis. Pas évident de manœuvrer ici. Car le circuit est constitué à moitié de virages serrés et à moitié de portions très rapides. Faut-il plus d'appui pour augmenter l'adhérence, tout en sachant que la vitesse de pointe sur la portion la plus rapide risque d'en pâtir? C'est un réel dilemme pour l'équipe technique. En pole, à ses côtés, Fernando Alonso, deuxième. Ok, donc bah ça, Alonso, Raikkonen, Fisichella, Trulli, Michael Schumacher, Montoya, qui va faire normalement sa dernière course ici. Barrichello, Coulthard et Heidfeld. Bon, je me donne une minute de durée de vie sur cette course. Je vais pas dire grand chose parce que je sens que je vais m'énerver très vite, donc pour le moment on voit ce qui se passe et puis on avise. Hein. Où la moto a pété là. Voilà à quoi ressemble la course après. Alors là franchement j'ai totalement raté mon freinage. Ah. Ah. Ouf. Oh le ralentissement qu'il y a eu là. Ouf, c'était chaud.
Non, franchement, la dive bomb n'était pas voulu, hein. C'est juste que j'ai vraiment loupé mon freinage. J'ai fait même défoncer mon aileron à cause de ça. Ici, je freine toujours hors trajectoire parce que je sais très bien que eux, ils vont me rentrer dedans si je freine normalement, on va dire. Alors, savoir que c'est ce circuit qui m'a fait quitter le jeu à l'époque, sur PS3. Bon, j'étais avec la Super Aguri, enfin, quand j'avais le jeu il y a longtemps, hein, je crois que c'était de 2007. Qui m'a complètement gavé, en fait. Bon, après, j'étais plus jeune, mais c'est ce circuit qui m'avait saoulé, ouais. Voilà, la vitesse de passage de la Toyota. Bon, en vrai, je vais surtout essayer de finir la course, ça serait bien. T'as gagné 2 dixièmes dans la première portion. Espérons que le jeu flanche pas, comme ça a fait être le cas déjà juste avant. Je me suis loupé, là c'est ma faute. Là, c'est my bad, j'ai raté mon point de freinage. Le problème c'est que je peux pas prendre le point de freinage que j'ai envie de prendre parce que justement j'ai trop peur de l'IA. Une Toyota quoi, incroyable. Il va me reprendre. Je m'en serais douté un petit peu qu'il allait faire ça. T'es jamais allé aussi vite dans la première portion pendant cette séance. Bah écoute, pendant cette séance, pendant la course, tu veux dire, parce que cette séance, c'est plutôt la course. Oui, je peux pas rester sur la partie droite quand je freine. J'ai oublié de rester à l'intérieur. Voilà, bien sûr, ça va être plus compliqué de tenir par rapport à Toyota maintenant, mais... Son dernier temps était de 1.09.72. Il commence maintenant à creuser son écart avec Raikkonen. Il tourne actuellement en environ 1.10 à faire. À cet instant, l'écart entre eux est de 2 secondes. On en est au tiers de la course. Massa occupe la première place. Deuxième, Fernando Alonso. Raikkonen est en troisième position. Fisichella est quatrième. Michael Schumacher est à la cinquième place. Ouf. Sixième place. Non, c'est légèrement accroché là. Septième. Et voilà Juan Pablo Montoya, huitième. T'es onzième place. Ah, c'était chaud là. Il y a 15 tours à faire quoi. Oh, au secours. J'ai raté mon pot de freinage, c'est magnifique. Son dernier temps était de 1.09.47. C'est sensiblement mieux que... Mais il peut me passer, c'est pas trop grave en fait. Nous en sommes au 6ème tour. Vas-y, passe-moi, c'est pas grave. Deuxième, Fernando Alonso. Raikkonen est en 3ème position. Le problème, c'est qu'il a pas assez de vitesse ce trou-là. Putain, je suis sorti trop large. Oh. Barrichello, 7ème. Et voilà Juan Pablo Montoya, 8ème. Doucement tant que les pneus sont bleus. Oh là 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 là. Totalement loupé.
Non, mais là c'est moi. Là c'est moi, j'ai totalement raté mon gap, hein, c'est pas grave. Ouh là là, attention. Hop 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 hop. Oh, j'ai un pneu qui est totalement bleu. Pff, on retombe 17 et 19e quoi. Je suis désolé mon terreau là, mais va falloir qu'on y aille à deux et qu'on se plante pas, ça serait cool. Ah, je galère un peu là, j'ai un peu une perte de vitesse. Et en vrai, quand je joue là, que j'abandonne pas, il se passe rien en fait en piste dehors. Hein. Par contre, quand on met passé, bah évidemment, bizarrement, il y a 10 abandons. Bon, alors là, je vais être un petit peu tout seul. Ça permettra de reprendre les points de corde classiques. Enfin, je dis ça, mais je fais n'importe quoi maintenant, c'est incroyable. Putain, mais c'est pas vrai! Ah, 22ème, ah, je suis dernier. Tout foiré. Magnifique. Je pouvais être tout seul tranquille et finalement, je fais plein d'erreurs. Bon, on va essayer de remonter quand même sur Sato. Si c'est possible, bien sûr. J'arrive pas. Je sais pas ce qu'ils ont parce que j'ai les gommes qui suent, j'en ai aucune idée. Ouais, j'avais un bon, enfin un rythme correct quoi, largement au-dessus des autres derniers là. Pour tout le monde. Nous avons surveillé nos ordinateurs et la température augmente progressivement depuis quelques minutes. Ouais. Nous n'allions pas tarder à voir la vitesse de course augmenter et à enregistrer de meilleurs temps autour. Ouais, enfin, attends, c'est plutôt moi qui est de plus en plus lentement. Ami course. Massa occupe la première place. Deuxième, Fernando Alonso. Je sais pas pourquoi ils disent mi-course parce qu'on est au 9e tour. Troisième position. Fisichella est quatrième. Michael Schumacher est à la 5e place. Barrichello est 6e. Montoya est 7e. Il était parti 8e. Il a bien progressé. Je pense qu'il doit y avoir un abandon devant. Parce que j'ai vu une trace d'huile. Tu n'es que 21e. Tu n'es que 21e. Tu dis pas plutôt que je suis une grosse merde, ça ira plus vite. Hein. Allez, go. Shit. Alors mon terreau est à 5 secondes. J'aimerais bien pouvoir les remonter et dépasser, finir devant eux au moins une fois dans ma vie quoi. Bah, c'était pas. Ah non, Bahrain, je m'étais foiré au stand, j'avais oublié. En tâche, j'ai une grosse vitesse de pointe, ça me permet de les doubler de manière normale, sans forcément à chercher à chaque fois le contact. Bah, je cherche pas le contact spécialement, mais en général, c'est ce qui se passe. Ouais, 4 secondes 9. C'est sûr, j'ai pas la même maniabilité. Mon pouce fait tellement mal, vous imaginez même pas. Force d'appuyer comme un bourrin dessus. La manette qui est en train de faire yameter quoi. Allez. J'appuie avec un autre doigt maintenant. Nous en sommes aux deux tiers de la course. Massa occupe la première place. Deuxième, Fernando Alonso. Ouf. Raikkonen est en 3ème position. Fisichella est 4ème. Je suis pas trop mal placé. Est à la 5ème place. Barrichello est 6ème. Ah, Montero a gagné 5 dixièmes. Montoya a gagné 5 dixièmes. Et 8ème, Coulthard.
reste 5 tours. Ah, une flaque d'huile peut-être. Putain, c'est mon terreau en plus quoi. Non mais au secours. Pourquoi il fallait que ce soit quelqu'un de notre... de notre équipe qui abandonne quoi. Le seul abandon, enfin non, il y en a eu deux en même temps, je dis ça, j'ai n'importe quoi, mais... Enfin, en gros, on fait quand même partie des concernés. Bon, speed, ça va être impossible d'aller chercher. Allez, on croise les doigts. Pour l'instant, on est en position de pouvoir peut-être finir la course, tout se passe bien. Bon, là, je fais des erreurs, hein, mais bon, tant pis. De toute façon, j'étais tellement... J'étais pas à ma place en termes de performance, de toute façon. Je sais pas combien de temps j'aurais pu les tenir, hein, les deux autres devant, là. En tout cas, le pari de la vitesse de pointe marche bien. Considérablement amélioré son temps pendant ce tour, son meilleur jusqu'ici. Son dernier temps était de 1.09. Ah, il y a encore de l'huile. Il a commencé à se détacher d'Alonso. Il tourne actuellement en environ une dizaine. Ah, bah c'est là où il y a eu l'abandon de Montero, je pense. Ah, il y a encore une trace là. Nous en sommes au tour numéro 12. Massa occupe la première place. Deuxième, Fernando Alonso. Raikkonen est en troisième position. Fisichella est quatrième. Michael Schumacher est à la cinquième place. Barrichello est sixième. Montoya est septième. Speed est en seconde, c'est que j'ai rattrapé un petit peu, mais à mon avis il a dû ralentir parce qu'il a dû y avoir un problème devant, je sais pas, on va voir. Il y a encore un drapeau jaune. Ah non, c'est pas un drapeau jaune sur le circuit, à chaque fois que je me fais avoir, c'est mon chrono. Il pourrait pas y avoir deux abandons là, faut gagner 3 places. Massa occupe la première place. Button s'en sort très bien sur la deuxième portion. Vous allez voir que le moment où je vais finir la course, c'est le moment où il y aura le moins d'abandons quoi. C'est... C'est fou comme un pneu qui est pas à température, ça déstabilise énormément la voiture. Enfin là c'est quand même bien rendu dangereux. Parce que j'ai quand même perdu beaucoup de temps à cause de ça. Button achève une belle première portion. L'écart atteint presque les 2 secondes. Voici le classement des 8 premiers. Massa occupe la première place. Deuxième, Fernando Alonso. Raikkonen est en troisième position. Fisichella est quatrième. Button semble plus à l'aise à présent. Il a creusé l'écart d'un dixième de seconde supplémentaire. J'avais attendu dans les temps de Speed, Scott Speed, ce qui est plutôt pas mal. C'est une Toro Rosso, je rappelle. C'est pas une Midland ou une... Super agri. En revanche, on aurait une Toro Rosso, je pense qu'on aurait vraiment pu faire beaucoup mieux ce championnat. Ah ouais, vraiment, hein. Je pense qu'il doit y avoir une bonne seconde d'écart entre les deux. Ah, pas une seconde entière, mais un bon 5 dixièmes de moyenne. Et les 5 dixièmes de moyenne, ça nous permettrait d'entrer en Q2 sur certains circuits. En 6, ouais. Felipe Massa est en tête et a commencé son dernier tour. Alonso le suit en deuxième position. Dernier tour pour Felipe Massa, il devrait gagner. Attendez, vous nous mettre en tour là. Alors qu'on va entamer le dernier tour, le classement est le suivant. Massa occupe la première place.
Deuxième, Fernando Alonso. Raikkonen est en troisième position. Fisichella est quatrième. Michael Schumacher est à la cinquième. Oh, les brutes, quoi, comme ils font super rapide. Sixième, Montoya est septième. Et huitième. Bon, je pense que je peux finir devant. Avec une vitesse de pointe. Super temps dans la deuxième portion. Continue. Alors, il y a l'huile apparemment. Oh, il y a un moteur cassé. Qui me tient qui a disparu. Actuellement en fin de peloton, 17ème. Hey, yes! Alors ce qui est bon, c'est que j'ai du coup, moi je me reste encore un tour à faire. Ah! Mais au moins j'aurais pas fini un tour du leader, ça c'est bien. Allez, un petit dernier abandon pour la fin. Pas le mien, s'il vous plaît. Bon, bah paradoxalement, c'est sur le circuit que j'apprenais le... appréhendais le plus que j'ai pu finir ma course pour la deuxième fois de la saison. Bon, certes, ça a pu se passer un poil mieux, mais quand même. Ça va. Tous les problèmes de 2005 sont oubliés. On a assisté à une course fantastique aujourd'hui à Indianapolis. C'est tout à l'honneur des organisateurs et des participants. Ah oui, parce qu'en 2005, le fameux départ à 6. On est bien loin de la controverse de l'an dernier et c'est exactement ce dont la FA avait besoin aux États-Unis. Dans deux semaines, nous serons de retour en terrain connu à Magny-Cours dans la campagne. Ah, le Grand Prix de France qui risque d'être compliqué aussi, hein, je vais pas mentir. Alors, Massa donc remporte la course à Alonso et Raikkonen Fisichella Schumacher back de là, trop tard, et nous on finit, et bah écoutez, on finit 17ème et on finit, incroyable, presque content de finir une course quoi, c'est vraiment, on est vraiment à la rue quoi. Je vois quand même combien il a fini, ah il a fini quand même dans le top 10, c'est vrai. Bon, est-ce que nous au championnat on peut enfin ne pas être dernier, ça serait bien. Alors, Alonso est en tête, Massa, Raikkonen, Fisichella qui reprend une place sur Raikkonen, Montoya, Schumacher, Trulli, Barrichello, Button, Ralf Schumacher, Heidfeld, Coulthard, Villeneuve. Je vais pas passer tout de suite, hein, j'attends que ça passe à nous. Et on est toujours 22ème, bah ouais, parce que je pense que Sato, ID, Speed, tout ça, ils ont mieux fini sur une course à Hécatombe. Donc on est toujours dernier, bon. Écoutez, on va se contenter de ça. Tour de formation, pas de chauffer le moteur. C'est qu'il n'y a pas de tour de formation, j'ai pas pensé à ça. Je crois qu'il n'y en a pas dans le jeu d'ailleurs. Ok, mais écoutez, on se retrouvera pour le Grand Prix de France à Magny-Cours. Donc j'espère que ça vous a plu comme d'habitude. On se retrouve dans une semaine. Aussi à la prochaine. Ciao tout le monde!